Thank you, Father. Thank you, God, for this day. In the name of Jesus Christ, this is a great day. This is a great day where Winton gonna enter in the water of the baptism to give his life to the Lord and Savior Jesus Christ. This morning, Sunday, the year of the grace of the Lord Jesus Christ 2024. Winton, by the grace of God, will be dying with the Lord Jesus Christ and resurrecting. This is a great day. We thank God for this day. We thank God for everything God has been doing for us. We thank God for everything God has been doing. A young man is about to die for this world and to be reborn for eternity with the Lord Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toute puissance des ténèbres. Nous prenons autorité sur tout serpent dans ses eaux. We take authority over every snake, every monster in this lake. In the name of Jesus Christ, we prayed. Amen. La délivrance est dans le nom de Jésus-Christ. 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 La santé est dans le nom de Jésus-Christ. La santé dans le nom de Jésus-Christ. La santé dans le nom. Dans le nom de Jésus-Christ. La santé est dans le nom de Jésus-Christ. La délivrance 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 est dans le nom de Jésus-Christ. Le pardon 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 est dans le nom de Jésus-Christ. Mon fils Winton. My son Winton. Mon fils que j'ai engendré dans la chair. My son that I gave birth to in the flesh. C'est un grand jour aujourd'hui. It is a big day today. Où tu as décidé. That you decided. De suivre le plus grand chemin dans la vie. To follow the most magnificent way. Le chemin de la vie éternelle. The way of eternal life. En tant que jeune homme. As a young man. Tu as décidé. You have decided. To mettre fin aux passions de la jeunesse. To put a stop to youth passion. De tourner le dos à ta vie passée. To turn your back at your old life. Et de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. And to become a new creature in Christ Jesus. C'est la plus grande décision qu'un homme peut prendre sur terre. That's the biggest decision a man can make on earth. Comme je vous partageais hier. As I was sharing with you yesterday. À la réunion avec ces jeunes. During the meeting with these young people. La parole de Dieu déclare en Matthieu chapitre 6 verset 33. The word of God declared in Matthew chapter 6 verse 33. Cherchez premièrement. Seek ye first. Le royaume et la justice de Dieu. The kingdom and the justice of God. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. And all things shall be given into you. Tu as choisi la bonne chose. You chose the good thing. Voilà maintenant que devant Dieu au ciel, here that in front of God in heaven, devant le Fils de Dieu à la droite du Père au ciel, in front of the Son of God on the right side of God in heaven, et avec le Saint-Esprit, with the Holy Spirit, en présence des anges dans les cieux, with the witness, with angels as witness, tu as décidé d'entrer dans les eaux du baptême. You have decided to enter the water of baptism. Ce qui signifie which means
mourir avec Jésus-Christ, dying with Jesus Christ, et ressusciter avec lui, and resurrecting with him. Et à 18 ans, and at 18, tu as décidé de prendre cette décision. You have decided to make that choice. Tu es mon propre fils. You are my own son. Qui est sorti de mes entrailles. That came out of my bosom. Et ma joie est grande. And my joy is unbelievably immense. Et il est dit. And it is said. Quand un homme, une seule personne se repent sur terre. When one person decides to repent on earth. Il y a joie au ciel. There is joy in heaven. J'imagine la grande joie qu'il y a au ciel actuellement. I'm thinking about the big joy that is happening in heaven right now. Je te rappelle la prophétie que ta mère, la prière que ta mère avait faite. I remind you the prayer that your mom made. Quand tu es né. When you were born. À l'hôpital Saint Joseph à Houston. At Saint Joseph Hospital in Houston. Cette journée du 11 octobre 2005. That day of October 11th, 2005. Ta mère que voici. Your mom here. Quand on lui a porté le bébé. When they brought her the baby. Elle a fait une prière à Dieu. She made a prayer to God. Elle a dit, je te consacre cet enfant. She said, I am dedicating this child. Elle a dit to à Dieu, je te consacre cet enfant. She said to God, I'm dedicating this child. Que to cet you. Enfant te serve. That this son serves you. Toute sa vie. All his life. Tu ne le savais peut-être pas. You may not have known that. Mais je te rappelle ça aujourd'hui. But I'm reminding en ce grand jour. That today. Ce jour est un grand jour. This day is a big day. Et peut-être tu ne le savais pas aussi. Maybe you didn't know. Quand nous sommes allés voir le docteur. When we went to see the doctor. Le docteur nous a dit ceci. The doctor said. Votre enfant, le docteur a dit, monsieur, madame. Mrs. and Mr. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. I have a bad news to tell you. Soyez fort. Be strong. Le docteur a dit ceci. The doctor said. Soyez fort. Be strong. Cet enfant ne pourra pas vivre, il ne va pas dépasser 8 ans ou 10 ans. This child won't live more than 8 or 10 years. Parce qu'il a un problème de cœur. Because he has a heart issue. Moi, ton père. Me, your father. J'ai regardé le docteur. I looked at the doctor. J'ai dit, docteur. And I said, doctor. Je ne crois pas à ce que tu dis. I don't believe what you're saying. Je te respecte. I do respect tu es un homme de science. You are a man of science. Mais je ne crois pas ce que tu as dit. But I don't believe what you're il saying. Il a dit que notre fils vivra. I told him my son will live. Le médecin t'avait donné 8 ou 10 ans, pas plus. The doctor gave you 10 or 8 or 10 years, no more. À cause de ton problème de cœur. Because of a heart issue. Mais aujourd'hui, tu as 18 ans. You're 18. Dieu est vrai. God is real. Tout homme est menteur. All men are et liars. Non seulement tu es vivant aujourd'hui. Not only you're alive. Tu n'es pas vivant pour aller en enfer. You're not alive to go to hell. Tu es vivant pour aller dans la vie éternelle. But you're alive to go to eternal life. C'est pour cela que je suis sur le point de that te baptiser. I am about to baptize et you. Je fais une prophétie. And I'm prophesizing sur ta vie. On your life. Si tu marches droit dans les voies du Seigneur. If you walk straight in the ways of God. En demeurant obéissant comme tu l'as toujours été à tes parents. Staying obedient to your parents as you always been. Si tu marches droit dans les voies du Seigneur. If you walk according to the way of God. Sans te détourner à gauche ni à droite. Without looking right or left. Sans retourner en arrière. Without going backward. Tu toucheras beaucoup de gens dans ce monde pour les amener à Christ Jésus. You will touch many people in this world to bring them to Christ Jesus. Tu auras un grand ministère. You will have a big ministry. Qui va retentir. That will resonate. Je ne sais pas si ce sera de mon vivant. I don't know when it's going sur to cette be, terre. I don't know when if it will happen when I'm still alive. On this earth. Sur cette terre. Ou alors si je serai par la grâce de Dieu dans le repos de Dieu. Or if it will happen when I'm going to be laying and resting in the arms of God. By the grace of God. By the grace of par God. Par la grâce de Dieu. Si tu demeures ferme. If you stay faithful. Dans ce pays, les États-Unis. In this country, United States. Tu prêcheras le Seigneur Jésus-Christ. You will preach Christ Jesus. Comme le Seigneur Jésus-Christ a été prêché au premier siècle. As Jesus Christ was preached in the first century. Et tu le prêcheras.
And you will preach him. Pas pour gagner l'argent. Not to make money. Pas pour être riche. Not to be wealthy. Pas pour être célèbre. Not to be a celebrity. Mais tu le feras. But you will do it. Gratuitement. Freely. Sans recevoir l'argent de qui que ce soit. Without any money from anybody. Sans vendre l'évangile. Without selling the word of God. Mais tu le feras gratuitement. You will do it freely. Et afin que le Seigneur Jésus-Christ soit entendu dans ce pays, les États-Unis. For the Lord Jesus Christ to be heard in this country of United States. Ce pays, les États-Unis. This country, United States. Qui sont devenus plus que Sodome et Gomorrhe. That became more than Sodom and Gomorrah. Comme Jonas est allé prêcher la délivrance à Ninive. Like Jonah went to preach deliverance in Nineveh. Des jeunes gens comme toi. To young people like you. Doivent prêcher la délivrance dans ce pays, les États-Unis. Young people like you should preach deliverance in this country. Les États-Unis sont devenus pire que Sodome et Gomorrhe. The USA have become worse than Sodom and Gomorrah. Et c'est le début de la fin des États-Unis. And it's the beginning of the end of United que States. Que Dieu ait pitié des États-Unis. May God have pity on United voilà States. Voilà les prophéties que je prononce sur toi aujourd'hui. Here are the prophecies I'm pronouncing on you today. Que tu touches les jeunes gens comme toi. That you touch young people like que you. Que tu les amènes à Jésus-Christ. That you bring them to Jesus Christ. Il y a sur Internet aujourd'hui. There is on the net today. Des influenceurs. Influencers. Qui influencent les gens. That influence people. Ils influencent les gens. They influence people. Alors qu'ils sont eux-mêmes influencés par Satan. When themselves are influenced by the devil. Contrairement à cela. In contrary to ma that. Ma prophétie sur toi aujourd'hui. My prophecy on you today. C'est que tu sois un influenceur. Is that you be an influencer. Qui va influencer tous les autres jeunes dans ce pays. That will influence all young people. Et même à travers le monde, and even all around the world, que tu amènes à toi that you bring to you des jeunes gens young people qui seront plus zélés que toi, that will be more zealous qui, than you qui, qui seront plus dédicacés, plus engagés que toi, that will be more dedicated and engaged than you are. Ayant dit cette prophétie, after saying this prophecy, voilà donc maintenant mon fils, here now my son, ma propre chair, my own flesh, et non seulement mon fils, who will not only be my son, mais qui est sur le point de devenir, mais qui est sur le point de devenir, but who is about to become, mieux encore, better, mon frère en Christ, my brother in Christ. Je suis donc sur le point de te baptiser. Now I am about to baptize you. Comme le Seigneur Jésus nous a recommandé, like the Lord Jesus en Matthieu chapitre 28. Matthew chapter 1 verse 28. En Matthieu chapitre 28. In Matthew chapter 28. Comme le Seigneur Jésus nous a recommandé. Like the Lord Jesus Christ. C'est devant Dieu notre Père que je te baptise. It's in front of God our Father that I'm baptizing you. Par son fils Jésus-Christ. By his son Jesus Christ. Avec l'assistance et la présence du Saint-Esprit. With the assistance and the presence of donc the Holy mon fils Spirit. Winton. So my son Winton. Au nom de Dieu notre Père. In the name of Christ. In the name of God our Father. Par Dieu, par le fils Jésus, par son fils Jésus Christ. By his son Christ Jesus. Au nom de Dieu notre Père. In the name of God our Father. Par Jésus Christ son fils. By Christ Jesus his son. Et par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donné le jour de la Pentecôte. The Holy Spirit who was given to us. Et devant tous les anges. And in front of all angels. Et devant tous les témoins. And in front of all witnesses. Comme ce témoin que Dieu nous a envoyé. Like this witness that God sent us. Ce jeune homme que nous ne connaissions pas. This young man that we don't know. Qui a voulu assister à ce baptême. Who wanted to be a witness of this baptism. C'est la preuve que Dieu a approuvé ton baptême. This is the proof that God approved your baptism. Je te baptise dans mon fils. I'm baptizing you, my son. Au nom du Père. In the name of the Father. Par Jésus Christ. By Jesus Christ. Et en présence du Saint-Esprit. And in the presence of the Holy tu Spirit, meurs en entrant dans ces eaux. You die by going inside this water. Et tu renais en Jésus-Christ. And you are rebirthed in Jesus Christ. En étant une nouvelle créature. By being a new creature. Que Dieu soit glorifié. May God be glorified. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Mon fils Winton. My son Winton. Mon frère en Christ. My brother in Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que tu sois un instrument de Dieu. May you be a tool of God. Dans cette génération perverse et corrompue. In this generation perverse. Que tu sois une lumière. May you be a light. Qui brillera. That will shine. Qui amènera d'autres jeunes.
that will bring other young people à fuir le péché, to flee sin, à se repentir, to repent, avoir la haine du péché, to hate sin, et à manifester la crainte de Dieu, and to manifest the fear of God, la sainteté, the holiness, la piété, the piety, godliness, godliness, la piété, the godliness. Merci Seigneur Dieu. Thank you, God. Au Father, nom de Jésus-Christ. In the name of Christ Jesus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Good job. Amen, amen, wow, amen. Yeah. Swinton. Okay. Get your towel. All right. Thank you, God. Thank you. Good morning, good afternoon, everybody, brothers and sisters. Bonjour tout le monde, bonsoir frères et sœurs en Christ. It's a pleasure to be with you today. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. And I want to begin by thanking our Lord Jesus Christ for this amazing morning. Je vais commencer. Je vais commencer par dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette matinée importante. And for the amazing miracle that has occurred in this moment in time. Et pour le miracle incroyable qui s'est passé en ce moment. Without further ado, I'm going to begin by giving my testimony or actually amplifying what my father here has already begun saying. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec mon témoignage, ou mieux, amplifier ce que mon père a commencé à dire. So, as he said, I had this this burning passion to serve, and serving people and serving my community is something I always found pride in myself. Et j'ai commencé, j'avais cette passion de vouloir servir ma communauté, aider les gens, servir ma communauté, cette passion à moi. And it's that passion which initially led me to my interest in joining the military. Et cette passion au départ m'a conduit à vouloir joindre l'armée. But after my father took me to scripture and was able to convince me that it might not be in the best interest of a Christian to serve. Et quand mon père m'a conduit à travers les Écritures, il m'a convaincu qu'il ne serait pas de l'intérêt d'un chrétien, ce ne serait pas la meilleure façon par laquelle un chrétien peut servir Dieu. I took on to another endeavor. Et après donc la passion pour l'armée, je suis allé à une autre passion, à une autre aventure. And this was political activism. Et c'était l'activisme politique. And so I initially began doing this in 2022. So. Et j'ai commencé à faire cela en 2022. And I began by getting in contact with other young people across this country who had a similar interest. Et j'ai commencé à rentrer en contact avec d'autres jeunes dans ce pays qui ont des intérêts similaires. And together we started networking and marketing our plan. Et avec eux, nous avons commencé à faire le network et à faire le marketing de notre projet, de notre plan. And when all of that was done, we established a official organization. We actually registered ourselves with the government. Et après cela, nous avons commencé notre organisation et nous l'avons même enregistré avec le gouvernement. And this is where things began to take off. Et c'est là où les choses ont commencé à décoller. And I think it's very important to mention that I had an initial intention, or at least I thought that my organization was going to bring glory to God. Et en fait, au début, mon intention c'était, ce que je pensais, mon intention c'était de glorifier Dieu à travers mon organisation. Because me and these very amazing people, we saw all the atrocities that are taking place in this country. Et moi et ces merveilleux jeunes hommes, ces jeunes enfants, ces jeunes personnes, moi et ces merveilleux jeunes personnes, nous avons constaté les atrocités qui se passent dans ce pays. And we were very afflicted by it. Being people that were born here, it was very disheartening for us to see these things taking place. Et en tant que des enfants, des personnes qui sont nées dans ce pays, nous avions le cœur brisé en voyant
ces atrocités qui se passent dans le pays. So we thought that by taking our agenda to combat against these things and to rally against it, we could initially change people that way. Et nous pensions qu'avec notre agenda, avec ce programme, en ralliant les jeunes à ce programme, nous pouvions combattre ces atrocités qui se passent dans ce pays. So we got hard at work. We began campaigning, hosting events online. Et nous avons donc commencé à travailler tellement dur et à faire des campagnes sur Internet. We contacted a lot of powerful and influential people, like my father said. Et comme mon père a dit, nous avons commencé à contacter des personnes très influentes dans ce pays. And we were receiving endorsements and preparing events, in-person events that we wanted to host Donc, across the nous avons country. commencé à être endorsés et à être sollicités pour de grands événements qu'il y avait à organiser. So to make the story short, my mom came with the vision that she one actually one afternoon while she was at work. Et donc, après, ma mère est venue donc avec cette vision. This was Cette vision dont je parlais, dont j'ai parlé tantôt. and this was a few months after. Et ça, c'était quelques mois après. And she told me about what God wanted me to know. Et ma mère m'a fait comprendre, m'a expliqué ce que Dieu voulait que je comprenne. The thing was, at that specific time, I was dealing with other personal issues with my spiritual life and my faith. Et à ce moment précis, j'étais en train de struggle, I don't know how to The say struggle. struggle. J'étais en butte à d'autres problèmes, des problèmes avec ma foi, avec ma foi et ma vie spirituelle. And so I assumed that that dream was referring to those things, but not the organization that I was working. Donc, j'ai compris que ma mère me parlait des problèmes spirituels que je traversais et non l'organisation. C'est ce que j'ai compris à ce moment-là. So what I did was I actually prayed about it, and I still prayed about the organization though, because she did mention it in our conversation. Et dans ma conversation avec ma mère, elle n'a pas mentionné mon organisation. Donc, j'ai continué à prier pour mon organisation. And this is where a few months after that happened, Et quelques mois après que cela soit arrivé, this is where my father found out about the everything I've been doing. c'est là où mon père a découvert tout ce que je faisais depuis ces 2 ans. And I remember that it initially led into 3 days of intense back and forth debate, arguments, and discussions surrounding everything. Donc, ça nous a pris 3 jours. On allait 3 jours de discussion, de débat par rapport à tout ce qu'il faisait. And this is where the miracle was beginning to happen. Et c'est là où le miracle a commencé à s'accomplir. Because the thing was, I was actually listening to my parents. I mean, I was still emotionally attached to all the hard work I put in, but I was still listening to them and considering what they were saying. Donc, c'est vrai que j'étais émotionnellement attaché à tout ce que je faisais, mais je continuais à écouter mes parents, à écouter ce qu'ils sont en train de dire. So, one afternoon, my father, actually the day after we had the big discussion about everything I've been doing, he invited me to sit outside. Donc, the day after, right? Yes, the day after. Donc, le jour après qu'on ait eu cette grande discussion, mon père m'a invité dehors. And he took me across scripture and he explained to me in a very clear way. Donc, il m'a amené à travers les Écritures et il m'a expliqué d'une manière tellement claire. Why what I was doing wasn't according to the will of God, and why I should change. Pourquoi ce que je faisais n'était pas selon la volonté de Dieu et pourquoi je devais changer? And my flesh was trying to resist and trying to find a reason to justify what I was doing. Ma chair était en train de lutter et trouver une raison pour justifier ce que je suis en train de faire. But I knew deep within myself, and I could feel God saying, "Hey, this is me talking right now. Like, you have to listen to." And you have to obey what he's Et saying. je pouvais entendre à moi cette voix qui dit, ça c'est moi Dieu qui te parle maintenant, ce n'est plus ton père, ça c'est moi Dieu qui te parle, écoute ce qu'il est en train de dire. And then, after we had the conversation, Et après que nous ayons eu cette conversation, I went to go
This was actually, attends, because this was actually the first conversation we had in the morning. I'm so sorry. I actually messed up Ok, je the suis désolé, chronology. je suis en train de mélanger les pédales. En fait, ça, c'est la première conversation que nous Yes, avons eue. the first conversation. We had one inside and then we had one Donc, on outside. a eu une première conversation à l'intérieur, dans la maison, et nous sommes allés dehors Yeah. pour continuer la conversation. So after the first conversation I had inside, this is where I really started to think about everything. I was like, okay. And my father doesn't know this, so this is the first time he's gonna Et hear. donc, après cela, il y a quelque chose en moi, et en passant, mon papa ne le savait pas, et c'est la première fois qu'il va entendre cela. But I was actually debating whether I should leave and go on my own. Et j'étais en train de. Donc, ce qu'il révèle, c'est quoi, pour la première fois que j'entends ça, que, en fait, j'étais en train d'avoir les pensées à moi, c'est-à-dire sortir de la maison et aller faire ma vie. And the reason why I chose to do that is because I was landed with a massive opportunity. Et la raison pour laquelle je voulais sortir de la maison, commencer ma propre vie, parce que j'ai eu une très grosse It opportunité. was a it was a multi I don't want to say multi-million dollar contract, but it involved a lot of money. Je ne voudrais pas dire un contrat de plusieurs millions de dollars, mais ça, s'il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur But what dans cette histoire. I can say was due to my political activism and everything I've been doing, Et à cause de mon activisme politique et tout ce que j'étais en train de faire, they wanted to fly me out in July to go and meet very great people, including the former president of the United donc, States. ils voulaient me mettre dans la, dans la, la m'acheter, me mettre dans un avion pour aller rencontrer l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Donald Trump. And this was immediately after this offer came immediately after we had Et the cette conversation. offre vint after I had the conversation with you, right? So, cette offre est venue juste après que j'ai eu la conversation avec mon père. And I can tell you it was hard Je peux vous dire, c'était difficile. because I mean I understand how this government works, how the people in power operate. Je comprends comment le gouvernement opère et comment les gens du pouvoir fonctionnent. I know very well that in order to be powerful, successful in any branch of American government, you have to compromise your soul at some point. Et je sais que pour être tellement influent, puissant dans le gouvernement, il faut à un point compromettre ton âme. But me, on the other hand, I like Trump. I mean, I still like him. I pray for him still. And I had this massive respect and want to meet him because of everything he did for the country during Et his en ce qui concerne Trump, presidency. je l'aime, je continue à le respecter et j'ai un immense respect à son égard pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. And so when I was given this opportunity, it was a very difficult struggle. I was actually already making plans with people I was in contact with to see where I would to plan the lodging and everything and the trips Et and all donc, les that gens avaient, with who? with the people I were in contact with, people who invited me. Donc, les gens qui m'ont invité à rencontrer Trump, en fait, j'étais déjà en train de faire on organisait déjà le logement, etc., toutes les organisations, etc. And so it's after that my dad actually called me again, and then it was outside that we had the conversation. Donc, c'est après cela que mon père m'a appelé. En fait, pour résumer, on a eu la première conversation. Et c'est après la conversation qu'il a eu la proposition d'aller rencontrer Donald Trump. Et c'est après la deuxième conversation que je l'ai confronté à nouveau. En fait, j'ajoute cela pour que vous compreniez très bien le contexte. But when my father called me outside that time, it wasn't to confront, but this time it was to actually explain to me what God wanted to know, and also what would be the great things I would get out of serving Christ specifically and not serving this world. Et quand mon père m'a appelé pour la deuxième fois, ce n'était plus pour me confronter, mais c'était pour m'expliquer ce que c'est servir Dieu, servir le Seigneur Jésus-Christ et influencer véritablement le monde. And so this is where my mind was definitely changed. God accomplishes miracle. C'est à ce moment-là que mon intelligence a été complètement changée. Dieu opère les miracles. And I decided that I wanted to serve Jesus Christ indefinitely. Et j'ai décidé de servir le Seigneur Jésus-Christ définitivement. But now the difficult part was getting that message and bringing that to the people I work with. Maintenant, le problème était donner ce message aux gens avec qui je travaillais. So I wrote a long announcement.
Alors, j'ai écrit une longue annonce. We actually have a community server that we set up, and this is where I released the announcement for everybody to read. Et il y a un service, un serveur communautaire, The community serveur. server platform. Voilà, donc une plateforme, c'est un serveur communautaire, une plateforme, et c'est là où il a fait cette annonce. And it was received, and surprisingly, initially, I received some a good amount of support from I Et met a lot of people. avec, de manière surprenante, au départ, j'ai reçu beaucoup de support de plusieurs personnes, beaucoup d'encouragement, de support de plusieurs personnes. But a lot of people were also angry and disappointed. Mais aussi, beaucoup de gens étaient fâchés et déçus. Some people left. Beaucoup de personnes ont abandonné. One of the people who I know for sure, I'm gonna say this publicly because actually I believe I have some of my friends that are watching this. Et il y a certains de mes amis qui sont en train de... Are they watching right now? Yes, I believe so. Donc, il y a certains de mes amis qui sont en train de regarder actuellement ce qu'ils sont en train de faire. And the vice president of my organization Le vice-président de mon organisation. was the most disappointed I know for sure. Et c'était le plus disappointed. Because I know that because we set up, like my dad said, we set up a lot of great companies, a lot of organizations, which are going to bring in a lot of revenue. And it took a lot of work, sacrifice, dedication to put this up. Il était fâché parce qu'on a mis beaucoup de temps, on a mis sur pied beaucoup d'organisations qui devaient apporter beaucoup d'argent, beaucoup de revenus. Donc, il était fâché. But here's what I said to all of them, my friends. Mais c'est ce que je leur ai dit à tous mes amis. What I said to them was, look at every single, and this is also what God told to me, but I also said to them, En fait, c'est ce que Dieu m'a dit et c'est ce que je leur ai aussi dit. look at all of these big organizations, conservative political organizations. Donc, regardez toutes ces organisations conservatives. What they're fighting for is not necessarily wrong. C'est pourquoi ils luttent, ce n'est pas nécessairement mauvais. But the problem is that many of these people who rally, who gather around to fight for what they believe in, Mais beaucoup de personnes qui luttent, qui rejoignent, c'est pourquoi ils luttent. many of them think they're Christian. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont chrétiens. But my father happened to offer me a book. Et mon papa m'a offert un livre. And it basically goes over the What's the entire, title of the the book? name of the book is Pagan Christianity. Le livre s'appelle Le christianisme paganisé, en passant de Frank Viola, que je vous recommande aussi de lire. And it essentially summarizes the entire history of Christianity from the first century to modern day En fait, ce 2023. livre fait le résumé du christianisme pseudo, le néo-christianisme moderne, depuis comment il a commencé jusqu'à aujourd'hui. And so after I read, I'm actually halfway through this book. Et en passant, je n'avais que lu la moitié du livre. But after arriving halfway, God told me something. Et après avoir lu la moitié de ce livre, Dieu m'a dit quelque chose. All Christians across the United States, or even in other countries that are fighting for conservative values, Tous les chrétiens dans les États-Unis ou à travers le monde qui luttent pour les valeurs conservatives, think they're Christian, sorry, think they're Christian. pensent qu'ils sont chrétiens. But the thing is, 99% of these people are following pagan ideology. Mais en réalité, 90% de 99% de ces 99, right? 99%. 90% de ces personnes sont en train de suivre une idéologie païenne, paganiste. So the question we had to ask ourselves, Et la question que nous devons nous poser à nous-mêmes, what is the point of hosting political rallies and trying to change the country? quel est le but, quel est l'avantage de faire des rallyes politiques dans le but de vouloir changer le pays? When 99% of these people will go to hell anyway. Quand ces personnes finiront toujours par aller en enfer, 99 personnes, ces personnes iront toujours en enfer. Quel est le but? And that is the message that convinced a certain quantity of my friends to join me in what I'm doing right now. Et c'est la raison pour laquelle c'est ce message qui a convaincu une partie de mes amis à me joindre par rapport à ce que je fais actuellement, par rapport à ma position à Christ actuellement. And so, my friends, these are people who had same interests as me, but they also had a passion and desire to do and to glorify God. Et ces jeunes, ces amis, ils avaient la même passion que la mienne, mais en même temps aussi, ils avaient le désir de servir Dieu. So this is where I was like, okay, me and my father, we talked about everything. It might be an amazing opportunity to set up a time, even again in the future, where we can
sit down and discuss the pure doctrine of Christ. Donc, c'est pour ça que je leur dis, peut-être que ce serait une meilleure façon pour vous et moi de m'asseoir avec, de vous asseoir avec mon père afin que vous puissiez avoir la doctrine chrétienne. So we planned it all, and yesterday, for those of you who watched it, et nous l'avons planifié, et hier, pour ceux d'entre vous qui avez regardé cela, we discussed a lot of things. My father went over his testimony and the foundations and pillars of Christianity. Mon père a commencé par son témoignage. Il est allé à travers son témoignage et il a commencé à mettre les fondements du vrai christianisme. And simultaneously, that's when I also announced that I was ready to finally be baptized. Et c'est à ce moment aussi que j'ai annoncé que j'étais finalement prêt de me baptiser et de devenir un disciple de Jésus-Christ. Overall, I from this entire experience over the past 2 years, I understand that God can work with people and God can use the skill set that people have for His glory. Et ces 2 années que j'ai travaillé, j'ai compris que Dieu peut utiliser les gens avec les talents qu'ils ont, avec les habiletés qu'ils ont. So I decided that I'm going to use the skills I have, whether that be with communicating with people, speaking, or using my rigorous work ethic. I'm going to put all of that to the service of Jesus Christ. Donc, je vais mettre au service du Seigneur Jésus-Christ toutes les habiletés que j'ai, que ce soit les habiletés de communiquer avec les gens, de, what again? And communicating and my work ethic. Donc, voilà, communiquer avec les gens mon amour pour le travail, mon habileté de travailler. So that way we can build a massive community of real Christians who know the real truth. De telle manière que nous pouvons bâtir une communauté de chrétiens et connaître vraiment la vérité. And through that we can perpetuate the true gospel to the entire world. Et de telle manière nous pouvons perpétuer le vrai évangile à travers le monde entier. And that's my testimony. Et ça, c'est mon témoignage. Mon témoignage. Voilà. Donc, merci Seigneur Dieu pour ce grand témoignage, pour ce grand témoignage. Do you have something else to add? Tu vas ajouter quelque chose? OK. So, mes frères, nous allons donc... yes, c'est bon. Nous allons donc continuer, mes frères et sœurs. C'est un grand témoignage. Nous allons grâce à Dieu. J'avoue qu'il y a d'autres détails que moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que Winton devait aller rencontrer Donald Trump. Je ne savais pas qu'il devait partir de la maison définitivement. Et je ne savais pas. C'est maintenant que je réalise à quel point ce jour est grand. Je viens de découvrir ça en même temps que vous, ce qu'il y avait derrière la tête. Et regardez comment Satan travaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Winton, tu comprends très bien le français. J'aurais peut-être voulu... Tu as dit que tes enfants sont en train de... Tes camarades sont en train de suivre actuellement. You're going to translate after. Tu vas traduire après, n'est-ce pas? OK, c'est bon. C'est mieux ainsi. Et donc, I'm sorry, guys, friends of Winton, who are watching right now. We're not able to translate in English. So Winton just told me he's gonna provide the translation there on. So you can even use Google Translate on live. Do Facebook have Google Translate on live? Okay, you can use a French or English captions with Facebook, but Winton is going to translate. So, hi guys, hi. It was a pleasure talking to you yesterday. So I'm looking forward to meeting with you again later on by the grace of God.